السلام عليكم، مرحبا بكم دار جديد من دروس زين ديال اكاديمي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كور جديد في ماده الفيزياء السنه الاولى بكالوريا ضيوف. الدرس اللي هو لو كومبورتمون جلوبال دان سيركوي الكتريك او التصرف العام لدرك كهربائيه. هذا الكور ان شاء الله غادي يتقسم لثلاث بارتي. بروميرمون لا ديستريبيسيون دينيرجي او نيفو دان ريسيبتور، دوزيامون غادي تكون لا ديستريبيسيون دينيرجي او نيفو دان جينيراتور، اي فينالمون غنشوفوا لو بيلون انرجيتيك دان سيركوي سامبل. Première partie, Inch'Allah, on se voit la distribution d'énergie au niveau d'un récepteur. Premièrement, loi d'Ohm. La tension, I égale R fois I. C'est le conducteur ohmique. Pour le récepteur et le générateur, pour le récepteur, on a toujours le sens de la tension qui compte différent, le sens et le courant. Donc UAP, la tension de l'aide du récepteur, qui c'est oui, E', c'est la force électromotrice, il y a une table carrément avec là, on voit. Plus R' fois I. R', c'est une résistance interne, il y a de la résistance, on a mon paroma que je connais le récepteur. Quand on a R', c'est là, petit R' fois I, I, c'est l'intensité du courant, toujours une idée là, dans l'ampère, il y a le courant lié avec le récepteur. Pour le bilan énergétique, vous connaissez le chevaux d'Ima, Adna, WR, il y a l'énergie reçue par un récepteur, il y a l'énergie liquide, le moustakbil, égale UAP, il y a une tension, il y a une tension, il y a une moustakbil, fois I, le courant, il y a une moustakbil, fois delta T. Et d'après la loi d'Ohm, il y a UAP égale E' plus R' fois I. Donc, on a besoin de l'énergie reçue par un récepteur forme. Donc, quand on a eu de AP, on va dire que la forme est admise. Donc, WR égale E' plus RI fois I fois delta T. Donc, WR égale E' fois I fois delta T plus R' fois I au carré fois delta T. Cette expression là, quand on dit l'énergie utile, il y a une taqa moussamel. Cette expression là, quand on dit l'énergie WTH, il y a une taqa thermique, il y a l'énergie thermique. Donc WR, W utile sur W plus W thermique. Donc l'énergie, l'énergie du récepteur, que je dois qu'il l'énergie utile, yani énergie qu'on s'amuse, ça aide à l'énergie thermique, et dit le harar que je crois que c'est banalé, parce qu'il sort le moteur, la lampe, la pneumatique. Pour la puissance, pour le bilan de puissance, adn PR que je ne sais pas dit, PR égale UAP fois I, yani tension fois le courant. UAP d'après la loi d'Ohm, c'est PR c'est E prime plus R fois I, R prime fois I, ou tout facteur de I. Yani PR égale E prime fois I plus R prime fois I au carré. Toujours, alors, à l'expression, Ramzouli, le P utile, yani la puissance utile. Rad Ramzada, Ramzouli, la puissance thermique. Donc, la puissance reçue par un récepteur égale la puissance utile plus la puissance thermique. Donc, on a un schéma, on a un dessin, parce que nous faisons ça. Il y a un récepteur, c'est un récepteur actif. Quand on a une énergie, il y a WR, il y a l'énergie qui ressort du récepteur. Quand on a une énergie, il y a une énergie utile, il y a une data qui s'amène, soit qui harrec, il y a un moteur qui harrec, soit qu'un. Mais ce qui change. Donc l'énergie utile. Z égale l'énergie thermique. La même chose pour la puissance. Quand on a une puissance reçue par un récepteur, il y a quelque chose qui change la puissance. Qui change la puissance utile. Z égale la puissance thermique. Pour la deuxième partie, Inch'Allah, distribution d'énergie au niveau d'un générateur. Qui vous laisse au niveau d'un récepteur, d'abord au niveau d'un générateur. Pour loi d'Ohm, le générateur a le sens de la tension, le même sens dans le courant. Donc, il a le même sens.
Donc UPN égale E moins R. E, c'est une force électromotrice. Elle est le carré moharika, toujours l'unité de là, en vol. Yani, elle a la tension. Moins R fois I. R, c'est une résistance interne. C'est que je commence le générateur. Amenons là, nous allons au E, le générateur, le O fait E ou R. Il y a une force électromotrice, on doit avoir la résistance interne. C'est les récepteurs à l'OFIOM ou à l'OFI générateur. Donc, les récepteurs à l'OFIOM E prime, R prime. Les générateurs à l'OFIOM E, R, sans prime. Donc, pour le bilan énergétique, à NWG, il y a une énergie fournie par un générateur égale EPN, il y a une tension liquide avec le générateur, fois le courant, l'intensité du courant, il y a le courant dans le générateur, toujours le courant qui est le générateur dit que je mets le plus, la bande plus vers la bande moins. Et je mets le contrôle moujab, je mets le contrôle de sel. Et je dis que je mets le contrôle générateur, le sens du courant est contraire, je mets le plus. Ou là, quand je mets le plus ou moins, je mets le toil, le toil est le plus, le recer est le moins. Donc, il y a UPN, c'est E, d'après loi d'Ohm, c'est E moins R fois I. R fois I. Donc, WG, il y a l'énergie fournie par un générateur, c'est E moins Fi fois delta t. Donc WG égale E fois I fois delta t moins R fois I au carré fois delta t. Elle dit, c'est l'énergie utile, il y a un état à Moussamel. Ou elle dit, l'énergie thermique. WG, c'est l'énergie utile moins l'énergie thermique. Pour le bilan de puissance, P est une puissance fournie par un générateur, c'est UPN. Il y a une tension liquide avec le générateur fois le courant. Nous avons obtenu UPN, la relation de l'eau d'après loi d'Ohm. Donc, il y a E moins R fois I, le tout facteur I, il y a une question E fois I moins R fois I au carré. Donc, c'est la puissance utile. C'est la puissance thermique. Le rendement au mardoud, il est soit récepteur, soit générateur. Pour le récepteur, le rendement égale W utile, et taqa moussamala. Sur W, réussi par un récepteur. Il n'y a pas le récepteur comme Golo. P utile sur P, réussi par un récepteur. Et pour générateur, le rendement, c'est W utile sur WG. C'est W utile, il y a une énergie utile sur l'énergie fournie par un générateur. La même chose, c'est P utile sur la puissance fournie par un générateur OPG.